ils disparaissent tous les deux. Moi, je m'approche de James pour savoir comment il va et. Moi, ça va. Moi aussi, ça va. Moi, je. Vous voyez que James se redresse. Vous voyez qu'il a, il est complètement épuisé par rapport à l'affrontement qu'il a eu. Vous voyez qu'il se tient un peu les côtes. Vous voyez qu'il vous, il vous regarde. Il regarde un peu dans le vague. Il regarde à l'endroit où était Abigail. Qu'avons-nous fait? Le soleil est complètement en train de disparaître à l'horizon. Et que la nuit arrive. Bah déjà nous savons que le pistolet qu'on nous a donné a un effet sur le machin, ce qui est déjà mieux que ce qu'on avait il y a encore 5 minutes. Effectivement. C'est toujours ça. Par contre, voilà, c'est-à-dire que le machin, ils nous ont très clairement dit quand ils nous l'ont donné que ça pouvait tout à fait péter. Donc voilà, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Quand Walter a tiré sur la créature, j'ai eu une vision de ce qu'elle voyait, je pense. Un manoir au sud de l'Angleterre, dans un petit village, un truc abandonné, il y a du lierre partout. James, du coup, se retourne vers toi, il semble interloqué par cette remarque. Apparemment, tu as une sorte de connexion avec la créature. Oui, je m'en serais un peu passé. Dites-moi précisément ce que vous avez vu. J'ai vu des lettres, et voilà, il y avait des lettres, il y avait un H, un A... et un W. Si vous êtes persuadé qu'il s'agissait du sud de l'Angleterre, tant qu'à faire, autant repasser par Londres pour essayer de réfléchir un peu à l'endroit exact où ça se situe, et puis essayer de trouver du renfort peut-être. Je crois qu'on manque un peu de main. De bagues magiques. Oui, ouais. Je vais essayer de voir si j'arrive à retrouver quelques artefacts intéressants. Est-ce que maintenant que vous l'avez vu, vous savez à peu près ce que c'est? Ou en tout cas, qui était le gars? Parce que vous aviez l'air de dire que vous connaissiez le gars qui s'est transformé en truc. Je crois qu'il s'agit... Tu veux dire qui a buté ta famille? Ouais. J'ai entendu, c'était ça. Je crois qu'il s'agit de Jack. Wow. Ah, c'était intéressant. Et... celui qui a tué la maman de Rick? Tout à fait. D'ailleurs, Rick, maintenant je crois que tu peux dire à tes camarades ce que tu sais sur Jack. Jack, qui est un personnage dont on a narré un peu les histoires, serait Sherlock Holmes. Hein? Quoi? Mais... pourquoi? Qu'est-ce qui... Mais il est mort. Bon, tu sais, avec eux, mort, ça reste pas très longtemps, apparemment. Oui, c'est pour ça que, pendant que vous étiez au pub, j'ai eu grandement des doutes sur sa mort. Lors de notre dernier affrontement, il y a une trentaine d'années, j'ai pu percevoir que Jack n'était... enfin, c'est fait appeler Sherlock, maintenant. N'était plus l'homme et l'ami que j'ai connu auparavant. Il a complètement été perverti par je ne sais quoi, peut-être un artefact que l'ordre lui a donné qui lui permet peut-être de se transformer en ombre, je ne sais pas. On a gardé la potion qu'il buvait tout le temps? Walter l'a gardée, effectivement. Il a fait semblant de mourir pour nous échapper? Une idée comme ça... Est-ce que cette potion qu'il buvait, c'était quelque chose pour maintenir sa forme humaine? Ou un truc du genre? Ou alors essayer de garder en fait sa forme de créature? Je ne sais pas, je sais pas du tout. Dans cet univers maintenant, tout me paraît possible, donc que ce soit une potion ou un artefact qui puisse le rendre dans cet état, ça ne m'étonnerait plus. Si on vous donne un échantillon de cette potion, vous pensez pouvoir trouver... Je pourrais essayer de l'analyser rapidement, mais... Ce que je propose, c'est qu'on aille à l'entrepôt pour l'analyser, pour déjà réfléchir là-dessus, pour se préparer. Parce que là, c'est chaud. On va en avoir besoin, ouais. Très bien. Bon, on parlera tout ça en bagnole, il faudrait qu'on se dépêche. James avait déjà récupéré la plupart de son matériel. Il avait récupéré quelques manuscrits, voilà,
des parchemins. Il avait récupéré également quelques potions qu'il avait bidouillées. Voilà, il vous demande éventuellement si vous avez des contacts qui pourraient vous aider dans la dernière épreuve qui vous attend. Kumar. Non. On n'est pas d'ici, nous. Ouais, nous, on n'est pas d'ici. C'est vrai qu'on connaît quasiment personne. Voilà. Il y a Finlay, effectivement, qui pourrait. Mais voilà, donc Finlay est un inspecteur très à cheval sur le protocole. Donc il risque fortement de ramener plusieurs unités de police. Wade, déjà avant de partir, vous avez spécifié que ça devait rester le plus officieux possible. Il ne devait en aucun cas être. Faire mêler les forces anglaises dans les affaires pour que justement l'Alpha Green reste le plus discret possible. Et voilà, donc effectivement, intégrer Finlay risque d'être tendu. Il y aurait Doyle effectivement, mais bon, il n'est pas forcément force de l'âge. Il ne sert à rien, c'est de la voilà. Oui, non, puis c'est un petit vieux surtout. Voilà. Donc James n'a pas vraiment de contact utile à part son réseau de prostituées. On peut aller au manoir de Doyle et embaucher Kumar, mais et est-ce qu'il va vouloir quitter ce qui resterait Je pense pas. Je pense que si c'est Maggie qui lui demande, ça se tente. Donc qui retourne rapidement au manoir, c'est à une petite vingtaine de minutes près de la Tamise. Pas moi. Avec Maggie. Bon, je pense si les autres y aller, vont pas, moi je me sépare pas. Effectivement, non, vous savez que Kumar a un petit faible pour Margaret. Ouais. Déjà. Ah ben on y va, on dit à Doyle qu'on est sur la piste de l'assassin de son pote et qu'on a besoin de renforts. Et oh mon dieu, Kumar, j'ai failli mourir. La corde sensible, effectivement. Donc, Margaret et Henry, vous allez tous les deux au manoir. Voilà, donc Doyle, à la rigueur, voilà, il vous accueille dans sa chambre. Vous voyez, il est complètement amorphe, limite. Il prononce quelques mots, il reste dans le vague, il lit quelques vieilles notes qu'il avait. Kumar est à ses côtés. Je demande à Kumar comment va Monsieur Doyle. Vous savez, il est très affecté par la mort de son ami Sherlock. Je pense qu'il Et faudra si un moment. On lui disait qu'on a une piste très sérieuse pour attraper l'assassin de son ami. Vous pensez que ça pourrait lui remonter le moral ? Voilà, ça fait un moment qu'effectivement vous travaillez dessus. Si vous pouvez trouver le meurtrier de son ami, je pense qu'il pourrait faire le nécessaire pour vous aider. On a deux doigts de l'attraper, mais pour ça, on a besoin de renforts. Parce qu'on a failli l'attraper et il m'a contré, j'ai failli mourir là-bas dans le cimetière. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et malheureusement, si on y annonce sans votre aide, Kumar, je crains que notre expédition ne soit un échec. Je ne puisse pas attraper l'assassin de votre maître. Nous avons besoin de je ferai le maximum, mais je ne suis pas très doué en armes à feu. Hein. J'ai eu un coup de chance. Non, mais j'ai besoin que vous restiez près de moi pour me protéger et pour m'aider. Si c'est pour vous, Margaret. Pardon, Mystique, excusez-moi de non, cette proximité très fortuite. Margaret, je serais ravi d'être votre protecteur. Et moi, je serais rassurée avec vous à mes côtés. Alors, tu vas me faire un jet. Elle vient de me condamner à mort, quand même. Tu vas me faire un jet, ouais. Tu vas me faire un jet. Je crois que t'as une compétence dans ce truc-là, en plus. Non, mettre à mort des gens amoureux de moi. Une compétence très particulière, hein. Tu vas me faire un jet de persuasion à 75, avec un bonus de... Allez, 10. Ouais, j'allais dire 20, 10. Un bonus de 10. Pas. Parce que 20, c'est cadeau, là. Voilà. Ouais, allez. Ah bah voilà, très bien. Donc effectivement, Kumar, voilà, surtout à cette petite note de veiller sur toi, il accepte volontiers de vous accompagner. Donc vous retournez à la planque de James. Il prend vraiment les quelques objets qu'il avait laissés de côté. Vous filez directement, j'imagine, après avoir recherché le nom dans les mémoires de Margaret, dans les flashs qu'elle a eu en contact avec l'ombre, le nom du village, des petits villages aux alentours qu'elle avait pu voir sur les panneaux. Vous avez et pu voir sur une carte, voilà, vous avez pu voir sur une carte justement les villages. Dans tes flashs, tu avais pu voir Margaret qu'il y avait un bord de côte, notamment des grandes falaises. Donc, tout simplement, voilà, les villages associés au bord de côte. Vous avez pu voir effectivement qu'il y avait un manoir qui était situé à proximité. C'était presque l'un des seuls manoirs situés sur le bord de côte. Il s'agit du manoir Hawking. Est-ce qu'on n'aurait pas hasard trouvé quelques infos sur le propriétaire ou
ou les anciens propriétaires de ce manoir. Stéphane ? Vous pourriez, mais ça prendrait plus de temps. Ouais. Oui, ça, ça vous prendrait plusieurs heures. Sachant voilà, que James vous dit qu'il faut un peu se manier. On sait qu'ils sont là-bas et globalement, le but, c'est que c'est le manoir, quoi, ça devienne un petit tas de cendres à la fin. Donc, ouais, voilà. Sachant que là, maintenant, l'ordre a le corps de Talchara, a le calice et a également l'incantation pour pratiquer le rituel. Et en plus, Abigail, peut-être, sera peut-être utilisé lors des rituels. Vous ne savez pas. Donc vous filez directement au manoir, j'imagine. Ouais. Bah oui, là. Très bien. Et sur la route, je voulais demander à James, est-ce que vous pensez que les armes à feu qu'on a peuvent vraiment être utiles à quelque chose, ou est-ce que vous avez des conseils sur ce qu'il faut mieux faire? Concrètement. Eh bien, je pense qu'il y aura, à mon avis, des membres de l'ordre qui, eux, seront sensibles aux armes à feu. Donc déjà, rien que ça sera largement nécessaire. Et concrètement, pour la chamane, vous avez une idée, si jamais... Pour la chamane, j'ai quelques éléments qui pourraient m'aider. Surtout l'ombre. La brûlée ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'ombre ? Parce que nous, pour l'ombre, il a pu voir également que le pistolet sonic que Wade vous avait confié, notamment pour Walter, serait d'une utilité certaine. Il avait pu voir les effets que ça avait pu infliger sur l'ombre, donc effectivement ça pourrait peut-être pas la tuer, mais la stopper ou la ralentir pendant un certain temps pour pouvoir tenter de la détruire d'une autre façon. Mais il peut rester sous cette forme d'ombre tout le temps, ou il doit redevenir humain à un moment donné ? Alors, du coup, James a eu le temps de réfléchir à ça. Au vu de, voilà, de temps à autre, il espionnait Sherlock de ci de là pour justement en apprendre un peu plus sur l'ordre et autres. Il avait pu voir que de temps à autre, effectivement, il était très souvent fatigué. Kumar vous le confirme d'ailleurs qu'il prenait, il avait souvent des périodes de grosse fatigue. Donc voilà, ça rassure largement James sur cette idée qu'il ne peut pas rester éternellement dans sous cette forme. D'accord. Ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, à mon avis, quand on lui tire dessus avec l'arme sonique, du coup, il va se disperser un petit peu, il va un petit peu se déphaser, et ça va, à mon avis, ça doit lui demander beaucoup d'énergie pour se reprendre sa forme, en fait. Et puis. Donc, il faudrait faire ça jusqu'à épuisement au final. Quoi. C'est peut-être pour ça qu'il a fui plutôt rapidement, justement, après avoir subi l'attaque. En plus. Ouais, puis surtout, faut pas oublier que. Il est déjà blessé. Un tir touché. Que concrètement, il s'est transformé il n'y a pas très très longtemps. Donc c'était ce matin ou hier soir. Il se peut qu'il soit encore un petit peu crevé, Pépé. Oui, donc c'est pour ça, là, faudra... C'est vrai qu'il n'est pas tout jeune, hein. Il a plus de 60 ans maintenant. Ouais, donc... Tout comme James. Oui, non, puis il n'y a plus aucune raison de le respecter. On l'appelle Pépé et puis c'est tout. N'oubliez pas aussi, après je sais pas si ça pourra avoir une influence, mais moi je l'avais touché avec mon arme. Du coup, il était blessé en plus. Oui, en plus, ouais. Même si la forme d'ombre a masqué tout ça, du coup, il est aussi quand même blessé dans son corps physique. Donc ça peut jouer en notre faveur quand même un petit peu aussi. Après au moins une bonne heure de route, vous arrivez donc dans le sud de l'Angleterre. Vous passez le premier village, Margaret, que tu reconnais avoir vu dans tes flashs. Ça te persuade justement que vous êtes bien au bon endroit. C'est bon chemin, je reconnais ce petit village pourri. Voilà, tout à fait. Au bout de 10 petites minutes, vous longez le chemin côtier, la route côtière, et vous voyez au loin un manoir qui se détache du paysage. Vous voyez qu'il est vraiment au bord de la falaise. Vous voyez que la mer s'étend après à perte de vue. Ça fait un moment que vous avez déjà affronté l'ombre au cimetière, alors que le soleil était en train de se coucher. Vous voyez, je vous fais pas faire de jet, vous voyez qu'au loin, à l'horizon, en pleine mer, vous voyez qu'il y a comme des flashs lumineux. Vous voyez qu'il y a un peu de vent qui commence à souffler. Et vous voyez au loin qu'effectivement il y a des éclairs. Il y a une tempête qui semble approcher. Ah, il y a un orage qui arrive. Ouais, je pense qu'on peut aller s'abriter. C'est l'Angleterre, hein, ça faisait au moins 4 heures qu'il n'y avait pas plu, ça pouvait pas rester comme ça. Effectivement. Donc vous laissez la voiture un peu plus loin à l'abri du manoir, vous avancez et vous arrivez sur le domaine du manoir. Dit manoir, le manoir Hawking. Putain, s'il pleut, on pourra pas tout brûler. Ah merde. On pourra brûler à l'intérieur, les trucs.
Non, mais peut-être que l'éclair pourra mettre le feu. Aussi. Ouais. On dira ça aux assurances. Voilà. Donc, vous voyez que le terrain, c'est limite un terrain vague. Vous voyez qu'il y a les ruines d'une petite maisonnette, peut-être un garage ou une petite maison secondaire juste à côté, qui est complètement en ruine. Vous avez la possibilité de vous cacher derrière les ruines restantes. Et vous voyez du coup le manoir qui se trouve un peu plus loin. Il est grand. Déjà, est-ce qu'on voit de la lumière aux fenêtres du manoir ? Pas du tout. Vous voyez que c'est le noir total dans le manoir. Vous voyez qu'il y a même des planches qui calfeutrent complètement les ouvertures. Ok, donc ça va être alors forcément, il y a des chances que ce soit dans les sous-sols ou un truc comme ça. Voilà, hein. C'est ce qui m'empêche de foutre le feu tout de suite, parce que si c'était à l'étage, on foutait le feu, puis on se barrait, c'était fini. Voilà. Ouais, pareil. Complètement. Là. Mais du coup, c'est vrai que ce soit plus probable que ce soit en bas. Donc, Du coup, faut qu'on explore d'abord là-haut ou d'abord en bas ? Je voudrais être sûr qu'il n'y ait personne autour qui surveille ou quoi que ce soit, mais du coup, c'est peut-être pas super facile avec la nuit. Avec la nuit, plus la pluie. La pluie, ça peut nous aider au contraire. Ça peut nous aider pour nous cacher. Ouais, mais pour eux aussi en même temps. Voilà. S'il y a de l'orage, ils n'entendront pas le bruit qu'on fera en rentrant. C'est ça. Déjà, est-ce que James sent des présences autour ou est-ce qu'elles sont dans le manoir ? Pour le moment, ça reste assez diffus. Il n'a pas vraiment d'assurance sur justement les personnes qui seraient présentes ou pas. Moi, j'avance, mais en traversant les ruines, comme ça, je suis penché. Donc, Kumar, lui, ne lâche pas Margaret. Il reste vraiment à proximité. Je vais avancer jusqu'ici, à peu près. Très bien. J'allais me mettre dans le coin opposé. Ça tombe bien. Moi, je vais essayer de me déplacer correctement. Eh ben, je vais faire pareil. Très bien. Très, très bien. Vous arrivez devant la porte du manoir. Voyez que celle-ci est entrouverte. Que faites-vous ? Est-ce que ça pue pas un peu le piège, du coup ? Vous voyez que la maison semble en partie déserte, abandonnée. On demande à James de jeter un coup d'œil sensoriel, machin, truc. Ouais, voir s'il sent quelque chose. Ouais. Vous voyez que James, du coup, avance à proximité de la porte. Je le talonne. Vous voyez qu'il il la pousse. Il fait quelques pas à l'intérieur. Il est aux aguets. Vous voyez qu'il n'a pas forcément d'armes avec lui, parce que vous savez qu'il a. Il a déjà ses petits bonus magiques de son côté. Enfin, magique. Occulte. Vous voyez que, du coup, il essaye de se concentrer, comme sur le cimetière. Il ressent effectivement quelque chose, mais c'est plus éloigné. C'est pas aussi proche, que dans le cimetière. Et ben rentre. Donc il décide de rentrer à l'intérieur. D'accord. Voilà, donc pour le moment, il vous dit que la voie est libre. Tout simplement, au moment où vous rentrez dans le manoir, vous voyez effectivement une sculpture d'une manticore qui se dresse sur un piédestal. Voilà. C'est classe, cela dit. Donc voilà, vous rentrez, vous avancez un peu plus à l'intérieur du manoir, vous voyez du coup un salon, au loin, les restes d'un salon. Et vous voyez un escalier sur votre droite, notamment, et des pièces. Vous voyez que les portes sont toutes grandes ouvertes. Vous voyez qu'il y a une pièce sur la gauche avec un piano, et que du coup c'est un manoir qui, visiblement, était occupé par une famille plutôt aisée. Et on fonce au sous-sol. Ça a l'air encore occupé ou tout est en train de mourir ? Là, tout est. Partout, voilà, il y a de la poussière partout. Le bois est en train de pourrir. Vous voyez qu'il y a. Voilà, il y a des vitres cassées, il y a des planches aux fenêtres. Les tapisseries, des tapis sont en train également de moisir. Donc... Ah, ça a moins bien brûlé du coup. Ok. Il y a un accès sous-sol. Ou quoi que ce soit. Là, c'est pour descendre, ça. Là, c'est pour monter. Voilà. Là, c'est pour descendre. Bah alors, on y va. Ouais. Kumar. Ça vous ennuie pas trop de passer devant si jamais je glisse dans l'escalier ? Oui, bien sûr, mystique. Enfin, Margaret. Je voudrais pas tomber les bras en premier en avant. Oui, bon, oui, c'est vous qui me rattrapez, ça y est. Je passe devant. Vous voyez que James, vous pensez pas qu'il serait peut-être plus judicieux de s'assurer qu'il n'y a personne d'autre. Moi, j'aurais bien inspecté un petit peu avant. Ouais, juste avant regarder dans les pièces. Rapidement aussi, ouais. Bah, allez-y. Moi, je serais bien. Sauf si vous voulez vous séparer et d'autres descendre la cave. Tut tut tut. Moi, je serais bien les visiter quand même un petit peu, voir
si on peut trouver des petits éléments vite fait aussi. Ah, est-ce qu'il y aurait eu trace de vie? Allez-y, moi je monte la garde en haut de l'escalier. Si quelqu'un monte, je le descends. Voilà. Jeu de mots. Ok. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a potentiellement des traces de vie? Si quelqu'un est entré, il y a peut-être de l'eau. Ouais, ou de... Ah, très bien. Je vais ne te faire... Ne serait-ce que des traces de pas dans la poussière. Cher Henry Johnson, tu es à 79%. Tu vois effectivement qu'il y a... Il y a eu du passage récemment. Tu vois qu'il y a pas mal d'empreintes de pas qui ont été laissées dans la poussière. D'accord. Et elles vont vers où? Tu vois qu'elles se dirigent principalement dans cette direction. D'accord. Vers cette porte. Après, tu vois qu'il y en a quelques-unes, très rares, qui vont dans cette direction et vers la porte d'en face qui, visiblement, mène à l'étage. Ok. Moi, je serais bien allé voir ici, là, donc dans la pièce du fond. Tu as dit que tu avais vu quelques traces ouais. vers là-bas. Après, vous voulez vous séparer? Ou ouais, reste groupé? On peut faire deux groupes pour le moment. En soi, on n'est pas si loin. Pour l'instant, ouais. C'est vous qui voyez. Moi, je veux bien rester, aller vers là aussi avec toi, Rick. Ok, d'accord. Parce que tu sais, moi, monter les escaliers, je vais m'épargner un peu, même si je sais que voilà. J'ai jeté ma canne. C'est oui, moi, j'ai une lampe. Effectivement. En plus, vous avez des lampes torches. Donc, je crois qu'il n'y en a que deux qui ont des lampes torches. Il me semble que c'est Rick et Franck. J'ai pas bêtise. Il me semble bien, oui. Les rayons de la lune pénètrent dans les quelques fenêtres qui ne sont pas obstruées. Du coup, j'ai repéré les traces dont parlait Henri, et puis bah, je me dirige vers la pièce en question, avec mon cher ami Walter. Tracé cohérent, ou c'est plus des allers-retours dans la poussière? C'est des allers-retours, il y a quelques allers-retours, effectivement. Walter et Eric, vous voyez qu'au-dessus de la cheminée, il y a une sorte de vieille peinture. Vous voyez qu'il y a une petite fille, qui semble avoir à peine une dizaine d'années, voire un peu moins. Vous voyez un jeune garçon qui a l'air un petit peu plus âgé. Vous voyez que les enfants ont l'air assez tendus sous la peinture, pas l'air très spécialement très heureux, très souriant. Vous voyez qu'il y a assis un homme qui semble assez souriant, mais vous voyez qu'il n'a pas l'air spécialement en forme. Vous voyez qu'il a quelques cernes, vous voyez qu'il a l'air passablement malade. Et debout, derrière le fauteuil, vous voyez une femme, mûre, qui se tient d'une manière très droite, très rigide, et qui a l'air, au niveau de l'expression, qui a l'air très stricte. Vous voyez qu'elle elle pose la main sur le dossier du fauteuil, et vous voyez que les enfants ont l'air effrayés, mais qui n'ont pas l'air très, très rassurés. D'accord. Tu vois que la petite fille est blonde sur la photo, enfin sur la peinture. D'accord. Ouais. Est-ce que je peux regarder derrière le tableau peut-être s'il y a, je sais pas, une date ou le nom de la famille ou le nom des personnes qui sont dessus? Tu vois qu'il y a une gravure, effectivement, je ne vais pas faire de jeu, il y a une gravure sous la peinture, dans le bois, incrustée dans le bois. Tu vois qu'il a écrit la famille Hawking. Ouais, logique. Tu vois même une année qui est inscrite. Tu vois écrit 1800. 61. Ok. C'est quoi l'année de naissance de Rick déjà? C'est 1888. Ah. Ouais. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est voir s'il y a des éléments qui ont l'air d'avoir bougé, tu sais, comme au sol, s'il y a de la poussière qui a été déplacée, comme comme une bibliothèque qu'on aurait été bougée ou un truc comme ça, tu vois. Pour essayer de planquer un machin. Pas faire de jet, tu vois qu'il y a quelques meubles effectivement vides qui sont tombés, notamment une bibliothèque. Tu vois également qu'il y a un fauteuil juste devant toi. Tu vois qu'il y a sur le tapis et en partie sur le plancher, il y a comme une vieille tache. Ça fait un petit moment qu'elle a l'air d'être là, plusieurs décennies visiblement. Tu vois que ça a l'air d'être du sang, t'es pas très sûr. Le sang qui aurait séché. Le père sur la photo là. Il oui. ne ressemble pas à quelqu'un qu'on connaît, potentiellement. Jack ? Tu vas me faire par un exemple, jet. Tu vas me faire un jet. Tout à fait, tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet de connaissance. Tu as 70% avec un malus de 20. De 20 ? Waouh ! Pourquoi ? Tu as donc à 50%. Parce qu'il fait nuit. Et j'ai ma lampe torche. Ta lampe torche, c'est pas pour ça.
Ouh. Très bien. J'ai eu peur du 86. Tu... ça aurait pas été surprenant en même temps. Voilà. Tu éclaires donc un peu plus la peinture, tu t'approches un peu des visages. Tu vois que le garçon te rappelle quelqu'un. Le regard, principalement. Tu regardes un peu plus en détail, tu vois la couleur des yeux, tu vois vraiment les traits. Cette personne te rappelle beaucoup Sherlock. Voilà. Très bien. Ok. C'est... Ouais. D'accord. Sherlock ou Jack. Ou Jack. Voilà. Donc après, justement, ouais, ça pourrait potentiellement justifier certaines raisons pour lesquelles il fait tout ça, ce petit freluquet. Les autres, que faites-vous ? T'as dit qu'il y avait une autre série de traces, non ? Qui partait qui, dans une voilà, qui ouais. allait jusque, qui montait. Jusqu'à l'escalier. Voilà, qui montait. Du coup, je pensais monter avec toi, Franck. Bah, allez. Très bien. Montons. Très bien, très bien. Les traces de pas commencent à s'atténuer un petit peu au deuxième étage. Tu vois qu'il y a des fenêtres qui ont complètement explosé, peut-être suite à une tempête, un coup de vent, des rafales. Du coup, il y a un peu moins de poussière. Le verre est à l'intérieur ou à l'extérieur ? Le verre est à l'intérieur, pardon. Le verre est à l'intérieur. Tu vois qu'il y a, pas mal de, un peu plus de vent, de courant d'air, du coup, à cet étage, donc il y a moins de poussière. On va avancer prudemment. On va avancer doucement, écoute. Donc vous pénétrez dans la dernière pièce. Vous voyez qu'il s'agit visiblement de la chambre parentale. Ce qu'il en reste. Ouais, on va essayer de fouiller un peu, notamment sous le lit, dans le bureau, voir s'il n'y a pas des trucs bizarres qui traînent par terre, ce genre de choses. Franck, je vais te faire un jet de toc, tu es à 80%. Tu vois qu'il y a, un bureau dans cette pièce. Tu fouilles un peu, tu trouves dans les tiroirs, tu vois qu'il y a quelques papiers, quelques documents. Tu vois qu'il y a des lettres, notamment. Dans l'une de ces lettres, tu vois notamment une date qui semble être la plus récente. Tu vois que c'est une écriture, pareil, assez, assez stricte dans la manière d'être rédigée. Puis même au niveau de la calligraphie. Tu vois que c'est une lettre écrite par une femme, visiblement Madame O'Kinney. Je vais pas te lire toute la lettre. Tu vois notamment dans les écrits qu'elle a laissés qu'il est mention de la mort du père Hawking il y a presque 2 ans avant qu'elle ait écrit cette lettre. Et que juste avant d'écrire cette lettre, la jeune fille Hawking aurait eu un accident et serait décédée tout juste. Visiblement, elle serait tombée de la falaise aux abords du manoir. Et dans cette lettre, la mère Hawking tiendrait responsable le jeune Jack. Qui n'aurait pas assuré sa protection comme elle le demandait, qui aurait préféré faire autre chose que de s'occuper de sa petite sœur. Tu vois que, dans le document, l'ambiance est assez tendue. Visiblement, il s'agirait d'une mère qui est assez autoritaire, qui des fois va jusqu'à battre ses enfants lorsqu'ils sont très peu conciliants. Tu vois même qu'il des fois elle fait mention qu'elle les enferme quelquefois dans les placards pour les punir et les prive de nourriture pendant un bon moment. Qu'elle faisait déjà ça visiblement avant la mort du père. Mais que ça empire au fur et à mesure, et du coup ça s'en est ressenti sur le moral des enfants. Ouais, je peux comprendre, ouais. Voilà. La lettre est datée de quand, à peu près ? Il y a une année dessus, ou 1863. Ah ouais, d'accord. Donc il y a fait plus de 60. Ok. Bah ça, je vais le garder pour le montrer aux autres en bas, ça peut les intéresser, surtout James. Ok. Bon, bah on redescend du coup. Très bien. Rick Walter, alors que vous êtes en train de finir d'étudier le petit salon, James vient à votre rencontre. Visiblement, le nom d'Hawking lui est très familier. Vous voyez qu'il regarde la photo, il la scrute pendant un petit moment. Vous voyez qu'il regarde derrière toi, Rick, notamment, il voit
le fauteuil avec l'ancienne trace de sang. Pour James, c'est en partie l'œuvre de Jack. Mais c'est ce que je me demandais. Au départ, je pensais que ce serait que c'était potentiellement justement le petit Jack qui avait fait ça. James, pendant sa période à l'orphelinat où il a rencontré Jack, à cette période, c'était l'une des rares périodes où Jack se dévoilait un peu plus sur, ouais. Sur son passif. Il a notamment dévoilé à James qu'effectivement, il n'a pas su protéger sa petite sœur comme il aurait dû le faire. Ouais, d'accord. Il pense notamment que sa petite sœur s'est suicidée en voulant échapper à au calvaire que faisait subir sa mère. Mmh. Et pour se venger, Jack aurait assassiné sa mère. Ouais. Voilà. Et pour se débarrasser de ce fléau. Bah vous retrouvez tous dans le hall du manoir. Vous voilà, donnez les détails sur les informations que vous avez récoltées, les objets que vous avez trouvés. Puis vous décidez de descendre au niveau de la cave, peut-être. Bah du coup, oui, de toute façon... après avoir fouillé l'intégralité du rez-de-chaussée de l'étage, effectivement, vous descendez au niveau inférieur. Très bien. Donc vous arrivez dans le sous-sol, vous avez vos lampes torches également, donc vous voyez que ça a l'air assez dégagé pour le moment. Vous voyez qu'il y a ce qui semble être une sorte de réserve, une vieille cuisine, juste ici. Visiblement, qui aurait servi à couper les bêtes ramenées de la chasse ou autre. D'accord. Vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a une cave à vin. Puis vous voyez que ça continue à droite et à gauche de votre position. Kumar, s'il vous plaît, restez pas derrière. Oui, on sait oui, pas oui. Ce qui peut je m'assurerai que Mystique descende les marches sans que je lui tombe dessus. Je suis un peu maladroit. Vous êtes bien brave. C'est gentil. Toi, vous avancez. Vous passez devant pour détecter. Pour détecter. Franck. James, effectivement, lui est toujours en première ligne. Il continue d'avancer. Pour lui, ça semble un peu plus clair sur la présence qu'il ressent. Ouais. Pour lui, ça fait aucun doute. Jack est bien ici. Il ressent autre chose. Il ressent des pas une autre, mais plusieurs autres puissances, présences qui semblent être à ne pas négliger. The trap. Vous trouvez ce qui semble être un atelier. Vous voyez qu'il y a quelques cages à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a quelques manuels, notamment d'études animalières. Voilà. D'accord. Comment dépecer des oiseaux, du gibier. La salle semble avoir été utilisée récemment ou... Je te fais un jet de toc. Ouvert. La gueule du bon jet. Tu te concentres principalement sur l'atelier, tu ne repères rien de particulier. Vous voyez qu'il y a quelques hublots au niveau de la falaise, donne sur l'horizon. Mm-hmm. Vous voyez que ça commence à bien souffler à l'extérieur. Vous voyez qu'il y a du vent, de la pluie qui sont à quelques quand on est descendu des escaliers, est-ce qu'il y avait une porte ici? Non, il n'y a pas de porte à ce niveau-là. Il n'y a pas de porte à ce niveau-là, d'accord. Pour l'instant, vous n'avez pas vu d'autre porte à part pour la petite chambre, le petit local à ce niveau-là, qui aurait servi peut-être pour des domestiques. Et ça, c'est une porte aussi ? Je vais te faire donc un jet de toc. Tu as 65% avec un malus de 20. Tu es donc à 45. C'est gain, oui, d'accord. Tu repères effectivement qu'il y a quelque chose d'anormal avec ce mur, mais tu ne saurais pas dire quoi. D'accord. Les gens, voilà, j'arrive pas à percevoir là ce qu'il y a sur ce mur là, mais là juste celui-là. Mais est-ce que vous avez possibilité de regarder? Tu vois qu'il y a là, quelques rayures à ce niveau là. Je me sens pas forcément à fond. Bah écoute, je vais essayer avec les caches. Il y a pas des boutons cachés. Touche un peu partout. Ouais. Est-ce que Walter a sa mallette de médecin? Ah oui, tout à fait. Il a son stéthoscope. Oui. Ah. Il peut écouter.
Oui, il peut écouter. S'il n'y a pas un creux, un truc. Tu vas me faire un jet d'écouter avec un malus de 20. Tu as 50. Non. T'as lancé les dés avant de dire. Tu mets, tu mets donc ton stéthoscope contre le mur. Ça a l'air assez épais quand même. Ça a l'air assez épais comme mur. Mais c'est pas un jet de médecine pour utiliser un stéthoscope? Je sais pas, je demande. Non, non, c'est un jet d'écouter. Ah, merde. Walter, tu te sens un peu bizarre toi aussi, non? Je sais pas, ouais, j'ai l'impression de pas pouvoir me concentrer là. Ouais, je sais pas si c'est la fatigue ou je sais pas, bon, mais attendez, j'ai pas l'impression d'être dans mes capacités. Poussez-vous les jeunes, vous voyez que James arrive. il est en train d'étudier le mur. Je fais un jet ouvert. Je crois que je suis trop vieux. Alors je pousse. Poussez-vous. Voilà, je faut toujours qu'une femme fasse le boulot des mecs. Donne-moi ton stéthoscope, toi. Non, attends. Moi, je pousse tout le monde. Je prends une cage et je tape sur le mur avec. Très bien. Bon, tu veux faire un jet de puissance peut-être ? Non, mais je suis pas d'accord. Bon, Franck a pris l'initiative. Tu vas me faire un jet de puissance. Tu es à 65 avec un malus de 20. Oh, mais allez. Tu vas faire du bruit. T'es donc à. Ils savent qu'on est là, de toute façon, donc. Ouais, mais non. Oh, j'ai voilà. Eu! Tranquille! Voilà. Tu prends la cage des piafs qui traînent. Je découpe le mur. Et tu l'éclates avec, t'éclates la cage contre le mur. Et puis à un moment, tu vois qu'il y a une fissure qui se fait sur l'une des briques, apparemment. L'un des carreaux du mur. Et ben voilà, on enlève les briques. C'est là qu'on aurait besoin de la canne de Walter. Donc, la brique se détériore un peu, tu essayes d'enlever les débris qui restent. Tu vois qu'il y a une sorte de mécanisme en fait, une partie de mécanisme en partie brisée du coup, et qui enchaîne sur le reste du passage. Bah voilà, c'était là qu'il fallait appuyer. Tu prends ce qui semble être une sorte de poignée qui est au fond, tu la fais pivoter. Tu retires ton bras et tu entends un bruit de pierre qui commence à crisser. Et puis tu vois le mur qui commence à se décaler légèrement en frottant, tant que ça grince contre la roche. Puis tu vois que le passage effectivement se libère juste devant vous. Voilà, des questions ? Allez, on y va. Non. Moi je voudrais prendre un objet assez conséquent pour le mettre dans l'ouverture de la porte au cas où elle se referme et qu'on ait besoin de courir très ça vite pour s'échapper. On sait jamais. Ça se bouge. Ah. Je te coupe là. C'est. Oh non, ça se bouge pas ça. C'est un truc fixe. Bah la table alors. Ouais, si on pouvait mettre un truc. Donc vous mettez un meuble. Vous mettez à la rigueur une. Ouais. Alors, j'ai une réminiscence d'une autre vie antérieure dans laquelle on avait fait ça aussi pour bloquer une porte, mais on est mort quand même. Normal. Oui, alors, mais bon. Et si tout simplement on enlevait un rouage du mécanisme, comme ça la porte elle peut pas se refermer. Oui. Ah, et si elle se referme et qu'elle s'ouvre plus. Bon, allez, on met la table et on y va, c'est bon. Hein, fin du vous monde, mettez, tout ça. Voilà. La table qui a l'air assez épaisse en plein milieu, très bien. Donc vous avancez. Vous avancez du coup dans une sorte de petit couloir. Ouvre l'arrière. Ça. Allez-y, passez. Comment ça. Voilà, ça avancez. Vous voyez. On a dit qu'on laissait James passer devant. Hein. C'est vrai. Donc, effectivement, James. James Kumar après. Voilà. Ouais. Vous avancez, vous voyez qu'il y a une porte dans la petite pièce dans laquelle vous vous trouvez. Cette porte donne sur un escalier en bois qui a l'air assez ancien. Puis. Vous voyez que ça donne sur une sorte de pièce grande ouverte et ce qui semble être un escalier en colimaçon. Toujours plus d'escaliers. En pierre brute, vous voyez que c'est complètement taillé dans la roche de la falaise. Ça brûle pas. Vous allez tous me faire un jet d'écouter. J'aime pas les escaliers. Ça me tient. 39. Très bien. Ah, mais on est sourd, papy. Hein. C'est moi après ? Ouais. Oh la vache. Bon, bah après, c'est mangé de ouf tout à l'heure, c'est normal que je rate à deux, quoi. Alors que vous rapprochez de l'escalier en colimaçon, vous entendez. Des voix provenir
du bas des escaliers. Des voix. Vous entendez plusieurs voix qui résonnent. Vous entendez notamment une voix qui semble un peu plus forte que les autres. Vous entendez des paroles, mais vous n'entendez pas clairement le sens de ces mots. Est-ce que ça semble psalmodier ? En partie. Je vais peut-être laisser passer Kumar devant. Oui. Ou laisse-le derrière, comme ça au moins, s'il y a quelqu'un qui nous chope par derrière, bah c'est... c'est bien vu, c'est dommage pour lui, mais c'est bien vu. Mais on l'a amené que pour on ça en tout. Même temps. Hein. Ouais. Oui. Il fait l'arrière-garde et James l'appelle devant. Voilà. Sert de bouclier à l'arrière, très bien. Exactement. J'ai assez servi en bouclier. Oh, les pauvres PNJ. Le truc, ça s'est passé il y a un an et demi, ça te le ressent encore. Juste avant de descendre les premières marches, James se retourne vers vous. Je crois qu'il est temps que je vous donne quelques objets, artefacts pour ce qui va suivre. Vous voyez qu'il sort des fioles. Vous voyez qu'il y a plusieurs fioles. Vous voyez qu'il y en a plusieurs de différentes couleurs. Vous voyez qu'il y en a une qui a l'air très opaque, en fait, qui est très blanche, comme une sorte de lait qu'il y aura dedans. Il te la donne, Franck. C'est visiblement une sorte de liquide qui, une fois qui explose à l'air libre, produirait une lumière assez intense. Est-ce que ça peut foutre le feu ? Absolument pas. Ah, ben c'est bien quand même, mais bon. Rick, à toi, il te donne pareil une fiole quasi identique en termes de quantité. Par contre, le liquide intérieur a l'air plutôt rougeâtre, presque comme du sang. T'as pas l'impression de trop savoir ce que c'est. Ouais. Il t'explique que c'est une sorte de bombe incendiaire. Non. Bombe incendiaire. Voilà. C'est pas la bonne personne. C'est injuste. James commence à descendre l'escalier et se dirige vers les voies qui proviennent des profondeurs. Vous venez de descendre l'escalier en colimaçon qui mène visiblement à une grotte qui circulerait partout sous le manoir. Vous entendez les voix qui résonnent un peu plus fort dans la caverne. Vous voyez qu'il y a différents avec la lumière des lampes torches, vous voyez qu'il y a plusieurs entrées, plusieurs tunnels qui continuent. Est-ce qu'on voit de la lumière ? Même diffuse dans les tunnels Non, pas encore. Non, parce que le problème, c'est que les torches, on va vite se faire opérer à un moment. Quoi. Et ouais. Oui. De toute façon, ça va être compliqué de les tuer discrets. Oui, non, mais. Ouais. Mais au moins d'appréhender le terrain, voir combien ils sont. Ouais, mais de toute façon, je pense pas qu'ils font les incantations, machin et tout ça dans le noir. Donc, on va pouvoir les repérer par rapport à leur éclairage à eux. Ouais. Bon, ouais, donc... maintenant, question, dans quel couloir on va aller ? Bah c'est James qui va sentir. C'est vrai. Allez, ah, James. James, donc, voilà, se met au milieu du passage. Pour lui, c'est kiff-kiff. Ah, visiblement, les tunnels se rejoignent. On fait deux équipes ? Bon, bah passons à droite. Hein. Non, absolument pas. On va à gauche. Ça paraît trop direct en haut, ça me perturbe. Vous allez à ce niveau-là, jeu vidéo ? Ouais, moi je suis d'accord pour aller à gauche. Très bien. Après, les autres, voilà, vous avez votre mot à dire. Hein. Mais je veux pas qu'on se sépare, s'il vous plaît. Ah, non, par contre, se pas se séparer, c'est pire des... Pas, hein. Ah non, donc, clairement. James, ça avance dans la direction du coup que vous indiquez. Bon, bah, pour lui, ça ne fait pas de grande différence. Okay. Vous voyez que le tunnel semble de nouveau se séparer, se scinder en deux. Il manque comment ? Tiens donc, c'est bizarre. C'est comme si t'avais envie qu'on se sépare. Oh là là. Pourquoi ferais-je une chose pareille, voyons. Venez, on fait des groupes de 1. Non, on se séparera pas, on explorera tout ce qu'il faut, mais on se sépare pas. Voilà. Bon, bah maintenant on va à droite. Ouais, exactement. Oui. Bon, ça laisse pas beaucoup de place pour tirer sur des gens là. Je pense qu'on va aller à gauche. Ouais, faut, comme à l'école, hein, les petits devant, les grands derrière. Voilà. Je suis trop gros, je passe pas. Vous voyez que le passage commence à se dégager un peu plus. Je ne vous fais pas faire de jet, vous commencez à voir de la lueur au bout du tunnel. Genre en face droit de devant vous. Vers là. Voilà, ça commence à se dégager. Ok. Ça commence à se dégager
et vous voyez, en fait, vous éclairez au loin, vous voyez qu'il y a un virage. Et vous voyez de la lumière provenir de cet endroit. Et dès qu'on s'approche suffisamment, on éteint les torches. Ouais. Voilà, donc James vous conseille dès maintenant de couper les torches. Et bah coupons les torches. On coupe les torches parce que là, du coup, il y a assez de lumière visiblement à cet endroit-là pour pouvoir vous diriger sans trop de problèmes. D'accord, ok. Bon bah on coupe tout. Vous voyez qu'il y a stressé, là, putain. Même un jet. Je vais vous faire un jet de discrétion justement à partir de maintenant. Ah. Un jet commun ? Non mais c'est des lampes torches, c'est pas des... Ouais, enfin c'est pas des phares de paquebot non plus quoi, c'est... Et j'ai un briquet. Donc, j'ai une mallette. Vous allez me faire un jet de discrétion. Rick. Ouais. Oui, pardon. Tu es à 45%. Oh là là, discrétion 0. Allez, bim. Fra. Très bien. Donc moi, toi, pour... Il a glissé sur une peau de banane. Oh putain. Waouh. Henri, tu es à 40%. Oh non, dommage! On n'a pas un bonus parce qu'on est super concentré? Est-ce que le critique de Walter attrape pas le tout petit échec de Henri? Effectivement. Effectivement, ouais. C'est une réussite spéciale de la part de Walter. Donc au moment où Walter est en train de marcher, vous voyez que Henri est juste derrière. Henri trébuche à moitié, tape contre une pierre et à ce moment-là, Walter le retient en partie. Il pressentait un peu la maladresse d'Henri. Puis voilà, il fait des bruits de souris à la rigueur, de rat. Pour dissimuler, voilà. Non, mais voilà. Il rattrape in extremis la maladresse de Henri. Allez! Voilà! Splat! Des ninjas! Le beau jeu. Oh, c'est très bien. C'est spécial. Ninja. Ninja. Margaret, je t'en prie, tu es à 50%. Oh, bordel. Oh, toujours pas. Bordel. Toujours. Est-ce que mon critique rattrape son petit échec? Ça dépend si Kuma fait un critique ou pas. Parce que Kuma peut voilà, faire un critique. À la rigueur, effectivement, en fait, le fait que Franck et... Enfin, Milouz et Shelna, vous avez très bien réussi vos jets, vous avez fait même des réussites spéciales. Vous êtes en avant dans le groupe, vous avez repéré justement à l'endroit où il y avait divers obstacles pour vos camarades qui passeraient derrière. Vous passez du coup les divers obstacles plus ou moins discrètement pour Henri. Cependant, Margaret, tu as quand même bien loupé. Ce que je vais te faire à la rigueur, c'est que tu vas prendre un peu plus de temps pour avancer, donc tu vas être un petit peu plus en retrait par rapport à tes camarades. Ok. Pas ta Kumar avec. Kumar ne te lâche pas. Voilà. Reste à proximité, il te voit galérer un petit peu dans le noir, il essaye de te guider. Vous voyez James du coup qui avance, vous voyez qu'il se plaque à un moment contre la paroi la plus proche. Je l'imite. Visiblement, il y aurait une sorte de rayon lumineux direct qui viendrait à ce niveau-là. Ce n'est plus une lueur, là, c'est complètement de la lumière. Ok, je me plaque aussi. Cache-toi, cache-toi. Rick, ouais. Que fais-tu? Étant donné que James est devant, moi, je lui demande s'il voit quelque chose et si... Il y a toujours le ray de lumière? Oui, le rayon lumineux, du coup, vient apparemment comme ça. D'accord. Moi j'attends, hein. Personnellement j'attends. Très bien. Voilà. Globalement, là, il y a de la lumière directe qui passe. En gros, si on va dedans, a priori, on a des grosses chances de se faire repérer, quoi. Pas forcément, ça va dépendre de l'approche que vous avez. Okay. De l'approche qu'on a, si on rampe par terre. C'est un peu, ouais, bah, du coup, c'est un peu ce que j'allais faire. Hein, mais, de toute façon, il faut qu'on avance. Donc. Au moment où vous êtes en train de décider un peu de l'action à suivre, vous voyez que James penche un peu la tête pour observer davantage. Il recule, il parle rapidement à Rick. Je vois quelqu'un de dos. À 4-5 mètres devant. Avec un coussin. Qui a un coussin avec lui? Que faites-vous? Je sais pas. Dans les corps. Bah, qui a un couteau? Donc,
Bah, un scalpel, ça doit être pas mal pour égorger. James a un couteau. James a un couteau. James, il a toujours son couteau, James. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a son couteau. Ouais. Moi, si je veux me... S'il veut pas le faire, est-ce que. Enfin, moi, je veux bien le faire, moi qui ai quelqu'un qui se sente bien avec ça. Non, mais moi, en discrétion, je suis trop mauvais. Hein. Moi, dès que c'est une action physique, comptez pas sur moi. James se rapproche également de la zone dans laquelle il y a visiblement plus de lumière. Voilà. Il tente justement de t'apporter un soutien particulier, peut-être, ou l'inverse. Puisse l'aider dans la tâche qui est de passer le plus discrètement possible et peut-être également se débarrasser de l'individu que vous voyez ici. Oula! Ah oui, effectivement. Voilà, James est à quelques petits pas devant toi. Que fais-tu? Est-ce que vous avez un couteau? Tu vois qu'il sort de sa ceinture. Oui, j'ai ce qu'il faut pour ça. Je prends le couteau et puis je tente l'action Hitman. Je sens que ça va mal se finir. Ouais, tu vois effectivement que depuis le cimetière, il a quelque peu douillé, ce petit James. Il a un peu plus de difficultés à exécuter ce genre de tâche. Tu vas me faire un jet de vigilance, s'il te plaît, au moment où tu te déplaces. Ok. Non mais c'est tu es à 80%. Oui oui oui. C'est là que ça marche le moins bien en général. Non. Ouh, putain. Oh mais. Oh la vache. Alors que tu commences à avancer, James avance également à l'autre bord histoire d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Visiblement, les individus sont affairés à voir quelque chose. Au moment où tu avances, tu vois qu'il y a une deuxième personne juste à côté. Je vois qu'ils ont l'air apparemment tous de dos. Abort mission. Si j'ai... Franck, ouais, que ça va tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît. Oui, chef. Je crois qu'on prenne trop de temps d'ici. C'est ça. Ouais, tu es à 90%. C'est... Tu vois effectivement qu'il se trouve dans une grande pièce dégagée, une grande partie de la caverne qui est dégagée. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'il y a l'air d'avoir un peu plus de monde que prévu. Aïe, 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 aïe. Oh bah là, la bombe à incendiaire, ça sert à rien, là. Ils sont trop écartés. Mais c'est peut-être pas par là qu'il faut aller, tout simplement. Peut-être qu'il faut continuer sur la gauche pour éviter d'aller là. On va essayer l'autre entrée, hein, du coup, enfin l'autre passage. Tout dans la discrétion, tout ça, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Ouais, enfin, si là ils sont tous de dos, s'il y a une autre entrée, on va arriver, ils seront tous de face. Hein. Oui, mais comme ça, on aura peut-être le temps d'aviser. Non, mais visiblement, ils regardent tous vers l'intérieur de la caverne. Donc, peut-être que si on arrive par l'arrière de ce machin-là, peut-être, je vois genre au hasard Hobbs, il est peut-être là. Et du coup, là, on peut le buter discrètement depuis le tunnel et puis après se barrer. Je vais commencer à partir par là-bas, discrètement, tout ça. Très bien. Hop, donc. Je ne te fais pas faire de jet, tu as fait un très bon jet. Oui. Tu décides donc d'avancer dans le passage juste en face. Et on peut peut-être se séparer et les prendre à revers. On tenaille. Bah pour l'instant, moi, de... Je vais rester là, je vais là-bas, je reviens. Voilà. Tu avances, tu vois qu'il y a une autre portion de la caverne qui se dévoile devant toi. Rick, que fais-tu? Tu vois ton camarade Franck, du coup, qui vient de voir visiblement plusieurs individus à proximité. James, lui, pareil, fait de même. Il traverse en face le plus discrètement possible. Oh là là, mais je le sens pas. Je le sens pas. J'aimerais bien suivre les autres aussi, parce que là, on peut pas les affronter directement, les gens. J'aimerais bien passer. J'aimerais bien les rattraper, quoi. En toute discrétion, évidemment. T'as fait un 14 sur ton jet de discrétion. Je ne te fais pas refaire de jet de discrétion pour traverser. Ok, cool. Vous êtes bien urbain, cher MJ. Walter, de même, hein, voire mieux. Ouais. Je t'en prie. Henri, toi par contre. Moi ça. JP, je vais te demander
un jet de discrétion. Mais pourquoi il se part ? Tu es toujours à 40%. Aïe aïe aïe. Attendez, Miss Margaret, attendez, n'allez pas trop vite. Ils sont en train de se barrer sans moi, c'est con. Tu commences à traverser le passage qui mène de l'autre côté. Quand soudain, je vais demander à tout le monde, sauf Pétulia, d'enlever son casque. Oh putain. MJP du coup ? Tout à fait. Ah ouais ? Pétulia. Oui ? Ta petite Margaret, tu y tiens beaucoup, je pense. Oui. Tu vas me faire un jet de vigilance, s'il te plaît, avec un malus de... Ouh. Et ben même avec le malus, ça passe. Un malus de 20. Très très bien. Alors que tu es en train d'avancer, Kumar te suit. Tu entends un bruit métallique derrière toi. Derrière moi. Un bruit d'objets métalliques qui grincent un peu, enfin qui grincent. Voilà. Alors, réflexe, ça va être moche. Hein. Je m'accroupis et je tire Kumar vers moi pour me protéger si jamais on est en train de lancer des couteaux ou quelque chose comme ça. Très bien. Donc, au moment où tu te retournes et que tu tires Kumar vers toi, tu vois que celui-ci a un couteau dans la main, te prend du coup au contact puisque tu l'as tiré vers toi. Il te met le couteau sur la gorge.